Ça, c'est bon. Bonsoir à tous, amis, j'espère que vous allez bien. Il est 17h28, donc on dit bonsoir dans les commodités françaises. Ce soir, je vous fais la petite vidéo retour sur la batterie Anker que je m'étais payée. Alors, c'est une batterie qui vaut vraiment le coup. Je l'ai eu en plus avec une réduc, je l'ai eu à 20€ pile. 20,95€, enfin des conneries comme ça, quoi, hein. Des conneries pour faire chier les gens. Sinon, sans les réduques, en fait, elle était à 25€, si je vous dis pas de conneries, sur Amazon. Voilà, moi je l'ai eu sur Amazon. Donc c'est la Anker PowerCore 2 10000, parce qu'en fait, elle fait 10 050 mAh de capacité. Donc dans le cas concret, je suis branché dessus. À l'autre bout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un iPhone 6 Plus qui a une batterie de 2900 mAh. Je vous passe les polémiques en ce moment avec Apple. Oui, ils auraient bridé leur batterie avec les... Enfin, etc, etc. Bref. En plus, c'est pas qu'ils brident leur batterie, c'est qu'ils brident les téléphones parce que les batteries sont merdiques. Là, ça va aller. Et donc, elle sort du 10 050 mAh. Et donc, un iPhone 6 Plus avec donc cette capacité de batterie, vous pouvez le recharger sûr et certain deux fois. Deux fois sûr et certain de 0 à 100%. Une troisième fois, j'ai jamais réussi à recharger entièrement une troisième fois mon téléphone parce que j'arrivais au bout de la batterie en fait. J'arrivais au bout de la capacité, il n'y avait plus de jus. Donc il me semble que trois fois, j'y arrive pas. Ensuite, tout dépend de ce que vous mettez au bout. Si vous mettez un 3310, votre batterie va potentiellement tenir très 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 longtemps. Voilà, 10 050 mAh, faut savoir que c'est une grosse capacité quand même. Elle est parfaitement compatible avec la recharge rapide, puisque en fait, elle a le système Power IQ. C'est quoi cet anglicisme à la con? C'est tout simplement en fait le fait que la sortie va s'adapter automatiquement à ce que vous mettez à l'autre bout. Donc moi, elle s'adapte, ça s'adapte automatiquement à la batterie de mon iPhone 6 Plus pour optimiser le temps de recharge. C'est ça en fait le principe d'avoir ça dessus. C'est qu'en fait, ça va accélérer un maximum la recharge sans pour autant griller votre truc. Hein. Vous en faites pas les mecs. Ouais, mais si ça pousse dans le courant, non. En même temps, ça fait attention à ce qu'il y a à l'autre bout. Mais en fait, ça pousse au maximum. La vitesse de recharge en poussant l'ampérage, en poussant le voltage pour avoir un temps de recharge optimum. Alors il y a un point négatif quand même sur cette batterie, c'est la petite molette, enfin c'est même pas une molette, c'est un bouton ici, le petit bouton qui vous affiche votre niveau de batterie. C'est beau parce que c'est affiché avec des petits points comme ça en cercle. Puis c'est pas agressif à l'œil. Je veux dire, moi je le regarde en face, je suis pas ébloui. En plus c'est blanc, enfin voilà, il n'y a pas de... Hein, on s'emmerde pas avec des chichis. Mais ce truc là, quand vous branchez un téléphone dessus, un téléphone, une tablette, n'importe quoi, ce que vous voulez, bah en fait votre bouton ici, votre molette, va rester tout le temps allumé. Vous voyez, moi j'ai mon iPhone branché de l'autre côté, parce qu'il se trouve qu'à ce moment là où je veux faire ma vidéo, j'ai plus de batterie. Donc ça c'est magique, hein, c'est tout le temps pareil. Et donc ça reste tout le temps allumé en fait, quand vous rechargez... Quand vous rechargez votre... Oui, je te passe ton téléphone tout de suite. Quand vous rechargez votre truc. Donc ça, c'est peut-être un peu dérangeant. Tiens ton téléphone. Merci beaucoup. De rien. Merci. Eh, je t'avais dit merci. Ouais. Merci. Merci. On me voit pas. Merci. Si, on me voit. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il est dans le cadre. C'est magique. Donc ça, et puis en plus, quand vous rechargez votre batterie, ça vous fait une belle petite animation en cercle. Là, ça s'allume en cercle. Mais toujours pareil. En fait, ça reste tout le temps, ça se fait en boucle et ça reste allumé, ça vous le fait tout le temps jusqu'à ce que la batterie soit rechargée. Donc par exemple, si vous êtes entièrement dans le noir, bah tiens, on va tester. Donc là, je vais juste éteindre les lumières pour vous montrer. Ouais. Hop, voilà. Donc là, vous convenez qu'on est dans le noir, c'est tout à fait normal. Et là, vous voyez normalement un petit jus de lumière, là, vous voyez. Vous voyez que ça reste allumé, voici la lumière que ça fait à peu près. Et ça, en fait, bah, pendant la nuit, quand vous branchez votre batterie, ça vous fait ça en arc de cercle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne jusqu'à ce que votre batterie soit rechargée. Et finalement, si vous êtes pris d'une certaine insomnie, ça peut être dérangeant. Voilà. Alors, je vais rallumer parce que je vais me tôler tout à l'heure. Donc, je disais, ça peut être dérangeant pour les gens donc, qui font des insomnies. Donc, ça, c'est un des petits points un peu négatifs sur cette batterie. Mais globalement, j'en suis très satisfait. En plus, pour le prix, c'est pas très cher. Tiens, mon amigo. Eh, Domino, ton camarade. Tu sais plus combien tu l'avais payé ta batterie Asus, toi? 39,99. Voilà. Donc, lui, c'est pareil, c'est une 10 050 mAh.
Et il l'a payé 39,99. La différence avec la tienne, c'est que la mienne, elle a un corps entièrement en métal. Voilà, donc là, le... Donc, il y a un jour, je sais plus ce que j'ai foutu, je l'ai fait tomber par terre, et ça fait pas pan-pan, non, non, ça fait... Ch-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Quand ça tombe par terre, c'est abusé, le bruit que ça fait, le boucan de fou que ça fait quand ça tombe par terre, c'est fou. Mais il n'y a rien, il y a rien. Et toi, j'aurais peur de la faire de la tomber par terre. Ouais, malheureusement, c'est ça, c'est que le corps est entièrement en plastique ici. Donc, si je la fais tomber par terre, le plastique va morfler, il me semble. Et vous voyez un petit peu le comparé au niveau des prix. Là, c'est une batterie ASUS, c'est la mienne, c'est une Anker, tout en plastique, donc forcément, ça coûte moins cher. Vous faites ce que vous voulez, je vous la recommande, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, je fais pas plus long, ça sert à rien, vous savez l'essentiel, c'est une bonne batterie. Si vous en cherchez une, bah allez-y. 25€ sur Amazon. Après, sur le site d'Anker, à mon avis, c'est en dollars, et puis en plus, faut vous le faire expédier de l'Amérique. Donc ça, c'est plus compliqué. En plus, Anker, c'est une marque que j'aime bien parce qu'en fait, ils vous font une espèce de grosse power bank à prendre comme, comme une valise, là, tu sais, avec une prise secteur, un allume-cigare, plusieurs USB, tout le truc. C'est un truc de barjo, mais ça coûte la blinde. Je vous mets le site d'Anker dans la description. Il y a la page Facebook aussi de la chaîne. Et puis voilà, écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Rémi. Forcez pas trop sur l'alcool parce que j'ai pas envie de vous voir planter au bout de ma rue parce que vous avez fait trop la teuf. Et bien, quand est-ce que t'as démarré l'apéro? Et puis là, vous me répondez que vous avez démarré l'apéro le 1er décembre. L'apéro du réveillon de Noël. Donc faites gaffe, les gars. Faites gaffe avec l'alcool, parce que l'alcool, c'est pas de l'eau, ça bourre, ça te bourre la tête, et si t'essaies de rentrer chez toi tout seul, tu te plantes, parce que tu vois plus rien. Voilà. Et faites attention à vous, soyez près de votre famille, surtout. Ça tombe, j'ai dit ça, puis les fêtes sont passées, mais il y a peut-être encore nouvel an. Donc voilà, essayez d'être avec votre famille, et si c'est pas le cas, et ben, vous leur passez un coup de fil, voilà, vous leur dites que vous les aimez avant qu'ils partent. Ça serait bien quand même. Je suis en train de faire une connerie, si je tire sur le fil, elle va se casser à la gueule. Bref, c'était Rémi, over. Allez, c'est fini, il n'y a plus rien, bonsoir. Hop, t'as vu? Hop, toi-même tu sais. Qu'est-ce que tu regardes comme vidéo, toi? Et on regarde l'Ocan. Ah oui, bah, ouais, en fait, c'est la fin de l'année, 2017, donc il n'y a plus de moyens. Donc, on fait une outro dans le noir. Voilà. N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à lâcher, enfin, à aller voir les vidéos. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, bah, je sais rien, je regarde, c'est tout.